dans le livre qui parle de vivre, lis entre les lignes, c'est drôle de signe. La vie t'envoie. Nous sommes présentement dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, plus précisément à l'école Gérard Collin de Cabaneau, où nous assisterons à l'entraînement d'un sport bien connu et pratiqué par des milliers de personnes, la lecture. Quel beau sport, n'est-ce pas? Cette jeune équipe est composée de 24 joueurs. Bien qu'ils pratiquent ce sport depuis plusieurs années déjà, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles cette année. Entrons pour les voir à l'œuvre. Comme premier plan, ce que j'ai fait pour motiver mes élèves à lire davantage, j'ai jumelé toute la classe avec l'équipe l'Océanique de Rimouski. Chacun de nous est associé à un joueur et nous prenons exemple sur eux, autant dans la persévérance que dans les efforts au travail. Ensuite, on les a motivés en demandant aux joueurs de nous parler de qu'est-ce que la lecture pour eux. Et on a fait un signet. Et de là que le projet prend tout son sens, on a commencé avec les signets de lecture. Ensuite, on a continué en lisant les articles de M. Réal Jean Couture sur Internet dans le site L'Avantage, le site en ligne de l'Océanique de Rimouski. Fait que ce matin, j'ai une belle surprise pour vous autres. On a reçu la troisième revue, le magazine de l'Océanique, la dernière revue. Donc, les enfants étaient captivés aussi à lire. Grâce aux différents magazines que l'Océanique nous fournit, nous travaillons nos stratégies de lecture en groupe. Quelle stratégie tu vas prendre pour trouver le mot? Si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu vas prendre comme stratégie? Je vais regarder les mots autour. Et ce n'était pas suffisant de lire seulement des articles sur le hockey, parce que moi, je veux que les élèves lisent autre chose, deviennent des excellents lecteurs. Pour les motiver davantage, on leur a proposé d'aller voir à différentes dates dans l'année un match de Rimouski et d'écrire eux aussi un article comme M. Réal Jean Couture le fait. Je me suis développée des talents de lecteur. Je me suis améliorée en mathématiques. On a appris à chercher sur Internet. J'avais pas d'intérêt, je comprenais pas le livre. T'sais. Je le lisais, puis même à ça, ça faisait 8 pages que je lisais, puis j'oubliais la première. Puis là, ça m'a fait découvrir mon style à moi. Je peux vous dire que l'intérêt pour la lecture a doublé avec un projet dans ce style-là, parce qu'ils sont vraiment motivés au départ à acquérir les récompenses qui vont pour le hockey, mais ils se font finalement prendre au jeu. J'ai un garçon qui m'a annoncé, « Micheline, c'est le premier livre que je lis par plaisir et non par obligation de mon prof. » Moi, je continuerai à lire cet été, et ça par plaisir, parce que finalement... La lecture, c'est aussi passionnant que le hockey!